Bonjour tout le monde, ici Caribou Canadien qui vous parle. J'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien aller. On continue l'aventure du jeu Chernobyl Light, live sur la chaîne du Caribou Canadien. Oh yeah! Is this? Qui est-ce? A better question is, la question qui conviendrait à se poser. Qui es-tu? Quoi? Je plaisante, Sourisseau. Je plaisante, je sais où tu te trouves. Et qui tu cherches, compris? Restons-en là pour le moment. Écoute, j'ai quelque chose à te montrer. Quelque chose était très important, mais nous devons nous rencontrer en personne. C'est une chose qui peut s'expliquer. En revanche, elle doit être vue. Je ne sais pas qui tu es, mais je ne me dirigerai pas aveuglément dans une sorte de piège. Aveuglément, bon divin, non. Bien au contraire, je ne veux qu'une chose, que tu te vois. Retrouve-moi au centre de commandement. Le radar Duga? C'est qui ce type bon sang? C'est insane. J'ai entendu. J'ai entendu. Qu'est-ce que tu vas faire? Aller rencontrer cet homme mystérieux, j'imagine. Le vrai mystère, c'est pourquoi personne n'a encore attaché ce type à un lit pour foot ou Aldo. Il sait peut-être quelque chose, je dois prendre le risque. Oui, il sait probablement quelque chose. Ou alors il espère simplement te fendre le crâne en deux avec une hache. Je trouve que ça, c'est vraiment pas une bonne idée. Ça ressemble à un piège. On dirait un piège, mais on ne peut pas se permettre de l'ignorer. Quoi qu'il en soit, j'ai mon arme avec moi. Je ferai extrêmement attention. Tu as intérêt. Je n'ai pas très envie de trouver ta tête au bout d'un pic. Quels que soient les sentiments pour Tarakan, il pourrait être ma seule chance de retrouver Tatiana. Comme tu veux. Mais tu pourrais aussi bien foncer vers ta propre fin. Et ça, cet imbri connaît déjà notre emplacement. Him and his nutty buddies could be closing in on us right now. Ce siphon et lui pourraient déjà être en train de... Cet endroit est parfait pour se défendre. On devrait tranquillement patienter et accueillir comme il se doit. J'apprécie tes conseils tactiques, Olivier, mais je dois le faire. All right, Igor, what's next? Très bien, Igor, c'est quoi la suite? Bon, qu'est-ce qui serait bien les prochaines missions? Tchernobyl, la météo change tous les jours. La pluie peut étouffer les bruits que vous faites et le brouillard obscur la ligne de mire de vos adversaires. Vous pouvez utiliser tout cela à votre avantage. Surveillez la situation de la zone, l'exclusion et adapter votre équipement en conséquence avant de partir. J'ai surpris une conversation radio. Je serais mis de la nourriture. Thank you.
Duga, a huge frightening monstrosity made of steel. Et effrayant, une incarnation de la guerre froide et de l'ambition insatiable. Mais qu'est-ce que cela a à voir avec vous ou avec moi? Cela fait tant d'années, mais quelqu'un doit bien se souvenir, Igor. Quelqu'un doit savoir. Quelqu'un doit savoir. Œil de Moscou, après-midi. J'ai oublié de... Je crois que j'ai... J'ai plus mon gun. Je crois que je l'ai oublié. Tiens, je sais pas qu'il y a du monde là. Je me débarrasse de lui. Je sais pas ce qu'il y a en tout.
Ah, il est là. Il est devant moi. D'ailleurs, je suis pris. Je le vois plus. Ah, il est là. Et là, je t'ai eu. Yo, comment ça va? 13:45.
Yo, yo, yo. Non, je suis pris. Oh yeah! Blood, 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 blood. La voix de musique que j'ai offerte à Tatiana pour son anniversaire. Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait que quelque chose s'est caché à l'intérieur. C'est un micro? Quand Tatiana était sous surveillance du KGB, pourquoi? Qu'est-ce qu'il lui voulait? Pourquoi es-tu venu ici? Tu la reconnais? Tu voulais parler à elle? Alors parlons. Pas avec moi. Le vieux débris voulait d'abord que tu vois ça. Tu manques de temps. Comment l'as-tu? Pas ici. Retrouve-moi dans le bâtiment d'à côté dans 2 minutes. De mieux en mieux. Si le Chernobyl, j'imaginais en membre viril militant. Comment ça va? J'ai reçu ça aujourd'hui. J'ai joué 3 fois, c'est ma 3e fois là, aujourd'hui. Il y a juste ça que je comprends pas là. Santé et morale, je comprends pas comment on fait pour monter la santé et le moral. J'avoue.
Let's go. Vous avez atteint le nouveau niveau. Vous avez atteint un point de compétence disponible. Parlez à vos compagnons à la base pour échanger des points. Vous entraînez. D'accord. Il y a beaucoup de crafting. Qui toi? Stop right there. You're on Pripyat. Bon, en plus, t'es sur le territoire de Brava, de... What? Quoi, je suis où? Where? Bradva. Pripyat, Brava, Bradva. Brava de Pravda. Tu es nouveau ici, ou quoi? Tu es un touriste? What's c'est quoi ton name? Nom? Yeah, I'm ouais, je suis un touriste. Je m'appelle Igor. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est le Bravda qui commande ici. Le Brava, le Pripyat. Voilà ce qui te passe. Il est plutôt intérêt à obéir à des règles, Igor, de touriste. C'est quoi cette Bravda? Bravda, c'est Sasha, Grisha, Oleg, Vova, Alusha, Angelina. Intéressant. Où sont-ils? Laisse-moi réfléchir. Sasha s'est fait coffrer. Grisha s'est fait descendre. Olga a cassé sa pipe. Volva s'est noyé. Olesha a fait une overdose. Il ne reste plus qu'Evenchki, en fait. Je me dis que c'est toi, Evenchny. Ouais, c'est bien, moi, Evenchny, le dernier survivant. Maintenant, c'est moi, à Bravda Punavia. C'est moi qui dicte les règles. T'as pigé le touriste? Ouais, ouais. Je crois bien, c'est toi qui commande. Good. Parfait. Tu me plais bien, toi, déjà. Mais surtout, n'oublie jamais la règle numéro 1. Personne ne fait chier, les braves. Touriste ou pas, alors essaie pas de nous baiser. T'as l'air d'être un type qui percute, alors j'ai décidé de te laisser rejoindre notre gang. Tu pourrais même mon commandant. C'est un honneur, merci. Écoutez, tu pourrais m'aider, camarade. Je suis à la recherche d'une femme du nom de Tatiana. Tatiana? Tatiana, c'est un joli prénom, elle doit sûrement être gaulée, cette nana. Et tu n'aurais pas des photos? Non, désolé, j'en avais une, mais je l'oubliais. C'est bien dommage, j'ai jamais entendu parler d'elle. C'est ta meuf, hein? Ah, l'amour, j'étais en amour, moi aussi. Cassinia, c'est un sacré petit bout de femme, elle avait juré de me couper les couilles si je faisais attendre. Elle l'a fait? T'es un sacré comique, toi. Tu me plais bien. Non, elle l'a pas fait. Elle m'a lavé. Elle disait que j'étais trop futé pour elle. Il se passe des choses intéressantes dans le coin ces derniers temps. Eh bien, il se passe des trucs chelous à la centrale. Ces enculés du Nord couraient de partout pour les... Il y a des connards avec son masque noir. Je ne sais pas trop ce qu'il chasse, mais il est bien flippant. En tout cas, il est mauvais. Il fout la paix. Alors, tu as d'autres clients? Qu'est-ce que je viens de te dire? Ce fils de fit les a fait fuir. À cet endroit, c'est encore plus animé que le marché. Cet enfoiré. You mentioned something about trade. What kind of things do you have? Quel genre de produits tu as en stock? Aucune idée. What do you mean? Comment ça, aucune idée? J'ai vendu des coffres de butin. Je les ouvre jamais, du coup, je ne sais pas ce qu'il y a à l'intérieur, mais ça n'a aucun sens. Le contenu de chaque boîte est aléatoire. Les coffres de butin, c'est comme des boîtes de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber. C'est profond. T'as vu? Kessina me disait que j'étais le plus grand philosophe du quartier. C'est simple. Je te vends un coffre de butin quand une ration de nourriture. Mais seulement un coffre par jour. Igor, on vient juste de se rencontrer, mais j'ai l'impression qu'on se connaît plus depuis des années. T'es comme un frère pour moi. Tiens, allez, tiens, je te fais un coffre de butin. Mais ne répète à personne, hein? C'est un secret, de Braff. Je vais mieux y aller. Merci, hein. Bravo à toi, à la mort.
Oh, faut que j'y vais, là. Lance-toi! Attends. Oh. Qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui, Kay? Travailler? Qu'est-ce qu'il y a dans le building? Ouais! Je viens de rentrer, Carlis. Non, il y a une porte. Prends la porte. C'est là sur la fenêtre. Bon. C'est pas, je suis pas dans le building. Ça m'intrigue. C'est quoi ça? Trouve l'escalier. Ça a l'air comme dans un sous-sol, par là. Quand je suis pas dedans, il est dedans, puis quand je suis dedans, il est pas dedans. Il y a comme un étage au-dessus. Deux étages. C'est juste là. Peut-être là-dedans? Non. Quelque chose qui va pas. Y a-t-il une autre porte? Il faut quelque chose pour brûler ça, par contre, je fais là. Il
Bon, yes. Oh, il est là. What took you so long? Qu'est-ce qui t'a pris autant de temps? Alors, les petites danseuses ont attiré ton attention. Le vieillard a dit qu'elle t'intéressait. Il doit te tester avant de décider si t'apprécies ou pas. Tu es toujours une putain de tête avec ce vieux crouton. Mais bon, au moins il paie bien. Est-ce que tu veux m'expliquer ce qui se passe? Le capitaine Debilo a dit que tu reconnaîtrais ce gros tas de ferraille et que ce radar signifie un truc pour toi. Et après là, il m'a amené un truc à propos du roi des rats et de la fin du monde. Mais bon, je suis venu ici pour parler au vieillard, pas sans larbin, je me casse. Qu'est-ce que tu viens de dire? Je sais que t'as de la chance, petite merde. Je te défoncerai bien la gueule, mais l'autre a dit non. Maintenant, ferme ton putain clapet de merde et ouvre bien tes yeux. C'est simple. Soit tu utilises l'ordinateur pour faire sauter ce foutu monstre, soit tu utilises l'autre truc pour faire passer un PDA au niveau supérieur. Ça améliore la fonctionnalité de n'importe quoi. Pourquoi? Qu'est-ce que je dois? Qu'est-ce que le choix? Je sais rien. Je m'en tape. J'ai fait mon job, alors. À ton tour. Donc, tu veux que je choisisse entre faire sauter le radar du gars et prendre un bidule amélioré à la place? C'est pas moi qui veux que tu choisisses. Je t'ai déjà dit, si tu faisais l'effort d'écouter, c'est lui. Perso, je m'en branle du choix que tu fais. Salut, Feel Good, DJ Bastoven. Et un dernier conseil, ce type est complètement charbé, ça fait clair, mais il y a toujours un peu de sens derrière tout ça. Alors, pose-toi la question. Pourquoi est-ce que tu voudrais que tu prennes cette décision? Va te faire plaisir au charbé, puis en tatillant, enfin. Détruire le radar, prendre l'amélioration du PDA. Les tabarnak! Qui est terminé, souvenir du passé. Bon, je prends quelques petits stuff puis je m'en vais d'ici. Bon, on a terminé la quête, on s'en va. Et voilà.
Les meurtres, les blessures, la famine et la situation stressante peuvent vous miner le moral. Les temps à zéro, votre stress commence à causer des dommages physiques. Vous pouvez reprendre du poids de la bête en consommant régulièrement des repas à la base ainsi qu'en utilisant des objets spéciaux que vous pouvez créer. Bon. Igor, the gun I gave you is Igor, le pistolet que je t'ai donné a fait le tour du monde avec moi. Alors, tu imagines quoi? Que tu dirais de fabriquer un outil de calibrage pour l'améliorer? Ça paraît être une bonne idée. J'en fabriquerai un dès que l'occasion se présentera. Tu en as besoin, Igor. Ça aurait bien besoin d'un coup. Ouais, tu m'as déjà dit ça. Can we swap some stuff, Olivier? Sure, whatever you need. Oh mon gun, hostie. Ouais, il m'a donné une bine. On fait pour l'ouvrir. Le coffre de marchandises d'origine mystérieuse, mais qui est apparemment parfaitement respectable, distribué par le seul et unique Popovich, utilisé pour découvrir ce qu'il contient. Ouais, puis qu'est-ce qu'il contenait, j'ai pas le pouvoir. Il reste du pain. Qu'est-ce qui montre la morale là-dedans? Je pensais que ça montrait le moral. Tu réussis ta mission, toi, finalement? Je peux voir ça, moi, si t'as réussi ta mission ou pas.
Ah, ok, là, je comprends. Fallait nettoyer ces dents, j'ai pas nettoyé assez. Ah. Ok, je me demandais aussi si c'était bizarre qu'il n'y avait pas de calice d'escalier. Diverses structures et machines qui permettent de fabriquer des nouveaux objets. Machines et équipements sophistiqués produisent divers objets utiles qui rendent la survie dans la zone. Bon, on checkera ça plus tard. Mais là, tout de suite, c'est mort. Qu'est-ce qui peut améliorer mon moral? Il est locké, non, je peux pas le faire, ça. Tiens, je t'ai fait un lit. J'espère que t'es content. Peux-tu te déplacer?
Ah, oh, ça, c'est bon pour le moral. Si je pourrais en faire plus, ce serait le best, mais... La radiation. J'en ai plus. OK. Bon. What's going on, Igor? Qu'est-ce qui se passe, Igor? S'entraîner? Tu penses qu'il faut avoir le temps de m'enseigner quelques-unes des astuces de militaire? Non, j'ai pas le temps. La précision, pas compétent, discrétion, étonnant. T'as juste un point, mais t'attends, c'ti. You're the boss, Igor. Salut, mon ami. Je vais faire de la lecture là-dessus, qui serait mieux, puis... Bon. Bonne nuit, chummy. Je vais vraiment... Ouais. Tu dois comprendre, ce n'est pas moi qui ai choisi d'arrêter Ariane. Je ne tiens pas pour responsable, Grace, mais je peux m'empêcher de penser. Ça fait bien au-delà des Pandores. Elle nous permet de sortir du royaume des pensées et des souvenirs humains pour aller dans le monde réel. Que veux-tu dire, Igor? J'ai quand même décidé qu'elle n'était financièrement pas viable et qu'elle était trop étrange. Quelle bande d'imbéciles! N'importe quel objet est un dosimètre naturel, absolument tout absorbe des particules radioactives. À un moment donné, créant ainsi un écho, Ariane peut créer cet écho à travers une simulation de réel virtuelle fractale. Je ne vois pas qu'est-ce qui peut faire ça. Écoute, je comprends vraiment, c'est l'œuvre de ta vie. Mais réfléchis une seconde. Le processus requiert une quantité immense, immesurable d'énergie, c'est réalisable en état actuel des choses. Et où sont les batteries de nano-diamants radioactifs qui utilisent les graphiques? Issu de ça, pour le moment, ce n'est rien de plus qu'un projet, Igor. Et quand bien même, je pense, c'est impossible pour qu'Ariane puisse fonctionner, il faut une source d'énergie qui n'existe pas encore, peut-être même si... qu'on n'est même pas sur Terre, mais... Je suis allé, Igor, c'est terminé. Tu dois accepter et passer à autre chose. J'emmerde le conseil. Je ne laisserai personne résumer mon travail en néant. Réveille-toi, réveille-toi, Igor, réveille! Tania, est-ce que je suis en train de rêver? Je t'attends, mon amour, trouve-moi, dépêche-toi, il ne me reste pas beaucoup de temps. Je sais, Tania, vraiment, je sais. Je dois regarder mon tableau. Tableau contient. Oh, un disque quand j'ai trouvé d'autres. Déjà plein. Bon, voyons. J'ai rien compris que c'était écrit. Le tableau contient tous les indices que vous avez obtenus. Tatiana a disparu juste avant la catastrophe. Ok. La boîte de musique Tatiana à l'intérieur se trouvait une vieille appareil d'écoute du KGB. Mais pourquoi?
Le KGB nous observait, mais les surveillances étaient intenses, bien plus que d'habitude. Pourquoi? Note to self. Focus on finding more clues. Je dois me concentrer sur d'autres indices. Donc c'était tout pour l'aventure du jeu Chernobyl Live sur la chaîne du Caribou canadien. Oh yeah!